Dans la ville animée de la Mecque, quelque chose d'étonnant s'est produit à la Kaaba, un lieu connu de millions de personnes à travers le monde. Imaginez la surprise lorsque les événements récents là-bas ont pris une tournure choquante. Ce n'est pas tous les jours qu'un événement sur ce site historique attire l'attention mondiale. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Nous plongeons dans les 10 moments stupéfiants qui ont laissé les gens partout en parler. Restez à l'écoute pendant que nous explorons ce qui vient de se passer à la Kaaba à la Mecque et pourquoi cela a choqué le monde. Numéro 1. Phénomène terrifiant à la Kaaba. Lors d'un récent événement sans précédent, les visiteurs et les résidents près de la Kaaba à la Mecque ont été surpris par un bruit fort, semblable à une trompette, qui semblait émaner directement de la structure elle-même. Cet événement a rapidement capté l'attention mondiale, suscitant un mélange d'admiration, de peur et de curiosité intense. Le son, décrit comme à la fois puissant et surnaturel, a entraîné une spéculation et un débat généralisé sur son origine et sa signification. Pour beaucoup, la première pensée a été que ce son avait une signification religieuse. Dans la tradition islamique, de tels phénomènes sont parfois perçus comme des signes ou des avertissements, potentiellement liés à des thèmes spirituels ou eschatologiques. Cette perspective est en accord avec la croyance selon laquelle des événements extraordinaires sur un site sacré ne sont pas de simples coïncidences, mais pourraient être des messages divins invitant à la réflexion et à l'éveil spirituel. Le son a résonné non seulement physiquement, mais aussi métaphoriquement avec ceux qui considèrent la Kaaba avec révérence, leur rappelant la nature profonde de ce site saint. En revanche, d'autres ont suggéré des explications plus pragmatiques. Certains experts ont émis l'hypothèse que le son pourrait être le résultat de facteurs naturels tels que des mouvements géologiques ou des conditions atmosphériques uniques. La position de la Mecque dans une région, sujette à des activités sismiques, donne du poids à ces théories. Ces interprétations scientifiques visent à démystifier l'événement, l'attribuant à des causes naturelles et explicables, plutôt qu'à des origines surnaturelles ou divines. Les interprétations divergentes de ce phénomène reflètent l'interaction complexe entre la foi, la science et la psychologie humaine. Alors que certains le voient à travers un prisme religieux, le considérant comme un rappel du pouvoir et du mystère qui entourent leur foi, d'autres recherchent des explications logiques ancrées dans le monde physique. Cet événement a ainsi ouvert des dialogues entre différents domaines de pensée, invitant à la fois à la contemplation spirituelle et à l'enquête scientifique. Ce mystérieux son provenant de la Kaaba, quelle que soit son origine, a en effet laissé une impression durable. Il rappelle la signification durable de la Kaaba dans le cœur et l'esprit de millions de personnes, tout en mettant en lumière la quête humaine pour comprendre l'inconnu. Il représente un moment où l'ancien rencontre le moderne, où la foi rencontre la raison et où le monde, à l'unisson, a tourné son attention vers l'un des sites les plus vénérés de la culture islamique. Numéro 2. L'héritage sacré de la Kaaba. La Kaaba, pierre angulaire de la foi islamique, se dresse comme un phare de spiritualité au cœur de la Mecque. Cette structure simple mais majestueuse est imprégnée d'une signification historique et religieuse profonde, résonnant profondément avec des millions de musulmans dans le monde. Selon la tradition islamique, les origines de la Kaaba remontent à l'aube de l'humanité. On croit que la Kaaba a été initialement construite par Adam, le premier humain dans la croyance islamique, et plus tard reconstruite par le prophète Abraham, connu sous le nom d'Ibrahim en islam, aux côtés de son fils Ismaël. Cet acte de construction de la Kaaba est perçu non seulement comme la construction de murs physiques, mais comme un moment fondateur dans l'établissement d'une foi monothéiste, un symbole d'unité sous un seul Dieu. Au cœur de l'aura spirituelle de la Kaaba se trouve la pierre noire, un ancien relique incrusté dans l'un de ses coins. Les enseignements islamiques soutiennent que cette pierre est descendue du paradis, en faisant un lien céleste entre le ciel et la terre. L'histoire de la pierre noire est aussi intrigante que sacrée. On dit qu'elle était blanche lorsqu'elle est descendue pour la première fois sur terre, devenant noire en raison des péchés de l'humanité. Pour les fidèles, la pierre noire sert de lien tangible avec le divin,
témoignant de la présence durable de Dieu dans le monde. À travers les âges, la Kaaba est restée un point focal de culte et de dévotion. C'est le Qibla, la direction vers laquelle les musulmans du monde entier se tournent pendant leurs prières, symbolisant l'unité et l'égalité dans le culte. La signification de la Kaaba va au-delà de sa présence physique. Elle incarne l'essence de la tradition islamique, rappelant la foi, la dévotion et l'alliance éternelle entre Dieu et l'humanité. Alors que les pèlerins du monde entier se rassemblent autour de ce édifice sacré, ils retracent les pas des prophètes et renouvellent leur engagement spirituel, renforçant le statut de la Kaaba en tant que symbole intemporel de l'identité islamique. Numéro 3. 2023 inondations. Crise à la Mecque. En 2023, la ville de la Mecque, un phare de signification spirituelle pour des millions de musulmans, a été confrontée à un défi sans précédent. Des pluies torrentielles, comme on n'en avait pas vu dans l'histoire récente, ont déclenché des inondations dévastatrices à travers cette ville sacrée. L'impact a été profond, affectant non seulement l'infrastructure, mais aussi le cœur du culte islamique, la Kaaba. Ordinairement, le climat aride de la Mecque voit peu de pluie, ce qui rend les inondations de 2023 une anomalie frappante. Les rues qui étaient autrefois animées de pèlerins se sont transformées en rivières en furie. Les inondations ont causé d'importants dommages aux routes, aux bâtiments et aux services essentiels, paralysant la ville. Pour un lieu qui accueille des millions de personnes lors du pèlerinage du Hajj, un tel désastre naturel a perturbé le rythme même de la vie religieuse. La Kaaba, se tenant résiliente dans la grande mosquée, était entourée par les eaux de crue, une vue à la fois impressionnante et alarmante. Cet événement n'était pas seulement une crise physique, mais aussi un moment de profonde réflexion pour les fidèles. La vue du site le plus saint de l'islam au milieu des eaux de crue était une image troublante, remettant en question les perceptions habituelles de l'invulnérabilité de la Mecque à de telles calamités. La réponse aux inondations a été un témoignage de la résilience du peuple de la Mecque et de la communauté musulmane dans son ensemble. Les efforts pour gérer les eaux de crue et restaurer la ville ont été rapides, mais l'incident a laissé une marque indélébile sur la conscience collective. Il a soulevé des questions et des discussions sur la préparation à de tels événements à l'avenir, surtout dans une ville d'une telle importance religieuse monumentale. Les inondations de 2023 à la Mecque n'étaient pas simplement une catastrophe naturelle. Elles étaient un moment de reckoning, un rappel du pouvoir imprévisible de la nature, même dans les endroits les plus sacrés. Numéro 4. Le Qibla et son impact sur le culte islamique. Au cœur de la pratique islamique se trouve le Qibla, un concept profondément ancré dans les rituels quotidiens de millions de musulmans dans le monde entier. Le Qibla n'est pas simplement une direction, mais un symbole d'unité et de foi, orientant les dévots musulmans vers la Kaaba à la Mecque pendant leurs prières. Cet axe unificateur transcende les frontières géographiques, créant un lien unique au sein de la communauté islamique, indépendamment de leur emplacement sur la planète. Pour un musulman, l'acte de faire face à la Kaaba est plus qu'une orientation physique. C'est un alignement spirituel avec le cœur de sa croyance. La Kaaba, une structure cubique dans la grande mosquée de la Mecque, détient une immense importance religieuse. Il est vénéré comme le symbole terrestre du monothéisme, un rappel des racines abrahamiques de l'islam. La direction vers la Kaaba, ou le Qibla, est déterminée où que se trouvent les musulmans dans le monde, faisant de chaque prière un acte de solidarité et une réaffirmation de leur foi. Cette pratique, établie par le prophète Muhammad, marque un tournant dans l'histoire de l'islam, en déplaçant la direction précédente du Qibla vers Jérusalem. C'est une déclaration quotidienne de foi, observée dans les 5 prières quotidiennes qui sont les fondements de la vie d'un musulman. La signification du Qibla va au-delà des pratiques ritualistes. Il inculque un sentiment d'appartenance et de connexion à la communauté musulmane élargie. C'est un rappel constant de l'héritage partagé et du voyage spirituel vers un objectif commun. En essence, le Qibla est plus qu'une simple direction pour la prière. Il incarne l'unité de la Oumma musulmane, symbolisant leur dévotion collective
et leur connexion spirituelle aux origines de leur foi. Numéro 5. Interprétation des mystères de la Mecque. Les événements récents à la Mecque, en particulier autour de la Kaaba, ont suscité des interprétations variées de la part des communautés chrétiennes et musulmanes, suscitant un dialogue profond sur leur signification dans le contexte des enseignements religieux et des prophéties de fin des temps. D'un point de vue musulman, ces événements résonnent souvent comme des rappels divins. Les catastrophes naturelles inattendues, comme les inondations graves et les sons mystérieux émanant de la Kaaba, sont parfois perçus comme des signes d'Allah, appelant au repentir et à la rectification morale. Dans l'eschatologie islamique, il existe des hadiths prédisant des événements significatifs dans les temps de la fin, y compris la destruction de la Kaaba. Pour de nombreux musulmans, ces événements récents sont un signal d'alarme, un rappel de la nature transitoire de la vie et de l'importance de rester fidèle à sa foi et à ses valeurs. D'autre part, la communauté chrétienne interprète ces événements à travers un prisme différent. Certains les voient comme des réalisations potentielles des prophéties bibliques concernant les temps de la fin et le second avènement de Jésus-Christ. Les références aux catastrophes naturelles et aux événements sans précédent dans la Bible, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, sont souvent citées dans ces interprétations. Pour les chrétiens qui adhèrent à cette vision, les événements à la Mecque peuvent être perçus comme faisant partie d'un plan divin plus vaste, conduisant au jugement final et à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Bien que les deux perspectives diffèrent considérablement dans leur contexte religieux et leurs interprétations, elles partagent un fil conducteur commun en percevant ces événements comme spirituellement significatifs. Elles reflètent un engagement profond envers la foi, une reconnaissance de l'inconnu et un profond respect pour les mystères sacrés de la vie. La nature intrigante de ces interprétations met non seulement en évidence les différences entre les deux religions, mais souligne également une quête universelle de compréhension et de sens face à des événements inexplicables. Numéro 6. Merveille architecturale de la Kaaba. La Kaaba, point focal du culte islamique, n'est pas seulement un phare spirituel, mais aussi une merveille architecturale. Sa précision géométrique est un sujet de grande curiosité et de respect. Cette structure, simple en forme de cube, est méticuleusement alignée avec les points cardinaux de la boussole. Cet alignement est plus qu'une simple coïncidence. Il reflète une compréhension profonde de l'astronomie et de la géographie qui était remarquable pour son époque. L'orientation de la Kaaba est significative à plusieurs égards. Premièrement, ses coins s'alignent grossièrement sur les directions cardinales, nord, sud, est et ouest. Cette orientation précise ne concerne pas seulement la direction. Il s'agit de créer une relation harmonieuse entre la terre et les cieux. La disposition suggère une connaissance ancienne du monde, intégrant une signification spirituelle avec des schémas célestes. Le coin abrite la pierre noire, une relique de grande révérence. L'emplacement de cette pierre n'est pas aléatoire. Elle est stratégiquement positionnée, renforçant davantage la signification architecturale de la Kaaba. L'emplacement de la pierre noire à l'un des coins de la Kaaba s'aligne avec le lever du soleil au solstice d'été, suggérant une prise de conscience des mouvements solaires. Cette maîtrise architecturale dépasse le symbolisme religieux. Elle met en valeur une compréhension avancée de la géométrie et de l'astronomie, mêlant ces sciences à une signification spirituelle profonde. Le design de la Kaaba est donc plus qu'une construction religieuse. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la quête de trouver une connexion plus profonde avec le cosmos. La précision géométrique de la Kaaba est donc un pont entre les royaumes physiques et spirituels, un point focal qui aligne les fidèles non seulement vers un point central sur Terre, mais aussi vers un ordre cosmique plus vaste. Ce mélange de spiritualité et de science fait de la Kaaba non seulement une merveille architecturale, mais aussi un symbole de la quête humaine pour comprendre et s'harmoniser avec l'univers plus grand. Numéro 7. L'entité mystérieuse, au sein de la Kaaba. Au cœur de la grande mosquée de la Mecque se trouve la Kaaba, une structure enveloppée de révérence et de mystère. Récemment, des rumeurs ont circulé concernant une entité mystérieuse censée être dissimulée dans ces murs anciens.
Cette spéculation a non seulement intrigué les fidèles, mais a également captivé l'attention des érudits du monde entier. Les théories sur cette entité sont aussi variées que fascinantes. Certains croient qu'il s'agit d'une relique puissante, un témoignage de la riche histoire de l'islam, potentiellement datant de l'époque d'Abraham. D'autres proposent des interprétations plus allégoriques, voyant l'entité comme un symbole de présence divine ou un point focal d'énergie spirituelle. Cette énigme au sein de la Kaaba a également suscité des discussions parmi les historiens et les archéologues. Ils spéculent sur le fait que cela pourrait être un artefact perdu depuis longtemps des premiers jours de l'histoire islamique, peut-être lié à la période où la Kaaba servait de point central dans les temps pré-islamiques. L'idée que quelque chose d'aussi significatif, caché depuis des siècles, puisse reposer au sein de la Kaaba, suscite un sentiment d'émerveillement et de curiosité. Parmi la communauté religieuse, l'entité mystérieuse est souvent vue à travers un prisme spirituel. Elle est considérée comme un secret divin, ayant une profonde signification religieuse. Pour beaucoup, elle représente le lien profond entre les royaumes physiques et spirituels, renforçant la sainteté de la Kaaba en tant que lieu le plus saint de l'islam. Quelle que soit sa véritable nature, le mystère de l'entité au sein de la Kaaba continue d'être un sujet d'émerveillement et de spéculation. Il comble le fossé entre la foi et l'histoire, invitant les croyants et les érudits à réfléchir aux mystères qui se trouvent au cœur de l'un des sites religieux les plus vénérés au monde. Numéro 8. Prophétie des temps derniers. Dans un monde où la science et la foi suivent souvent des chemins séparés, les événements récents à la Mecque les ont intrigants remarquablement entremêlés. La Kaaba, pierre angulaire de la foi islamique, a été le témoin d'une série de catastrophes naturelles qui résonnent avec les prophéties des temps derniers trouvées à la fois dans l'islam et le christianisme. En 2023, la Mecque a connu des inondations sévères, un événement qui a étonné et suscité des discussions sur sa possible signification spirituelle. D'un point de vue islamique, de tels événements sont vus à travers le prisme de l'échatologie. Les hadiths, les enseignements du prophète Muhammad, parlent de signes présageant le jour du jugement. Ceux-ci incluent des bouleversements naturels, que certains interprètent comme des rappels divins de la mortalité et de l'impermanence de la vie terrestre. De même, la théologie chrétienne, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, décrit les calamités naturelles comme des précurseurs de la seconde venue de Jésus-Christ, un événement marqué par la rédemption et le jugement. La convergence de ces deux perspectives présente un scénario unique. Les deux religions, avec leurs profondes racines historiques et leurs éléments théologiques partagés, pointent vers une période de transformation significative, souvent accompagnée de perturbations cosmiques et terrestres. Les inondations récentes à la Mecque, juxtaposées à ces contextes prophétiques, deviennent plus qu'une simple anomalie météorologique. Elles se transforment en un symbole, un signal pour de nombreux croyants, incitant à l'introspection et au renouvellement spirituel. Cette intersection entre la foi et les événements réels favorise un dialogue qui transcende les limites des religions individuelles. Elle invite les croyants et les non-croyants à réfléchir aux grandes questions de l'existence et au rôle de l'humanité dans le vaste tableau de l'univers. En un sens, ces incidents servent de réveil, un rappel de la vision d'ensemble qui se perd souvent dans les détails de la vie quotidienne. Numéro 9. Le changement climatique en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, une nation principalement caractérisée par ses vastes paysages désertiques, assiste à un changement sans précédent dans son climat. Traditionnellement perçu comme un pays de déserts arides et de précipitations minimales, les événements récents ont peint un tableau différent, défiant ses idées préconçues. Le pays, connu pour sa chaleur torride, connaît désormais une série de phénomènes météorologiques sévères, remettant en question la perception commune de sa stabilité climatique. Au cours des dernières années, l'Arabie Saoudite a connu des schémas météorologiques inhabituels, notamment des pluies torrentielles inattendues entraînant des inondations soudaines. Cela est particulièrement alarmant dans des régions comme la Mecque, qui est non seulement un pôle religieux, mais également peu habitué à de telles intempéries extrêmes. Ces averses soudaines ont entraîné des inondations importantes,
provoquant des perturbations généralisées et mettant en évidence un contraste frappant avec le climat habituellement sec. L'impact de ces changements climatiques va au-delà de la simple gêne. Il soulève des préoccupations critiques concernant la préparation de la région à de tels événements, en particulier dans des zones d'importance religieuse et culturelle significative. Les inondations à la Mecque, par exemple, ont non seulement causé des dommages aux infrastructures, mais ont également posé un défi aux millions de pèlerins visitant la ville. Ce changement dans les schémas météorologiques suggère un changement environnemental plus profond se produisant dans la région. Cela soulève des questions sur les implications à long terme de ces anomalies climatiques et les mesures nécessaires pour s'adapter à cette nouvelle réalité environnementale. Pour un pays profondément enraciné dans la tradition et l'histoire, ces changements ne sont pas seulement météorologiques, mais aussi culturels, incitant à une réévaluation de la manière dont l'Arabie saoudite perçoit et se prépare à son avenir face à un climat changeant. Numéro 10. Le fils prodigue, un conte de pardon. En réfléchissant aux événements étonnants récents à la Kaaba, il est éclairant de trouver des parallèles avec la parabole du fils prodigue, une histoire partagée dans les enseignements islamiques et chrétiens. Ce récit, transcendant les frontières religieuses, offre des aperçus profonds sur le repentir, le pardon et la miséricorde illimitée de Dieu. Au cœur de cette parabole se trouve un jeune homme qui, après avoir dilapidé son héritage, se retrouve dans une situation désespérée. Dans un moment de clarté, il décide de retourner vers son père, s'attendant à des reproches mais espérant la miséricorde. Son père, au lieu du blâme, l'accueille à bras ouverts, symbolisant un amour et un pardon inconditionnel. Cet acte d'acceptation et d'amour, malgré les transgressions du fils, est un puissant témoignage de l'idée de repentir et de rédemption. Dans les enseignements islamiques, cette histoire est parallèle au concept de tauba, ou retour vers Dieu après s'être égaré. Elle souligne que quelle que soit l'ampleur des erreurs de quelqu'un, la porte du pardon reste ouverte, à condition qu'il y ait un repentir sincère et un effort sincère pour amender ses voies. De même, dans la doctrine chrétienne, ce récit souligne le thème de la rédemption et la nature pardonnante de Dieu, reflétant les enseignements de Jésus sur l'amour, le pardon et la joie du retour d'un pécheur à la droiture. Les événements récents à la Kaaba, un site d'une immense importance spirituelle, résonnent profondément avec cette parabole. Ils servent de rappel de la nature transitoire des poursuites terrestres et de l'importance du réveil spirituel. Tout comme le fils prodigue a réalisé sa folie et a cherché le pardon, ces événements peuvent être considérés comme un appel à l'introspection collective et à un retour aux racines spirituelles. Ils soulignent la nécessité pour l'humanité de reconnaître ses fautes, de demander pardon et de s'efforcer de suivre un chemin de droiture morale et éthique. En essence, l'histoire du fils prodigue et les événements à la Kaaba encouragent ensemble une réévaluation de nos choix de vie, nous exhortant à embrasser un voyage de renouveau spirituel et de rectitude morale. Merci d'avoir regardé, et pendant que vous êtes toujours là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de vidéos stupéfiantes. Je vous y retrouverai.